on se retrouve pour une nouvelle vidéo maquillage. Donc j'ai décidé de reproduire le make-up que j'ai vu de James Charles. Je vous mets une photo ici, comme d'habitude, et c'est parti. Du coup je vais commencer avec mon teint, je vais pas mettre de fond de teint parce que j'ai le masque à mettre et après c'est chiant, genre ça dégouline et tout. Du coup ce que je fais c'est que je mets juste du blush et je fais mes taches comme ça. Donc pour mon blush j'utilise un rouge à lèvres qu'on m'a offert de chez Yves Rocher. Je fais mes tailles en soi avec la palette qui donne aussi, donc je prends aussi pareil, je mets en bleu. Je vais commencer avec mon fard Explosion. Je vais le mettre dans le coin, dans le creux de la paupière. This town will never change. People come and go, it's all the same. Speed the roads on a darling days to any place that's far away. I never learned anybody's name. We all vow that we wouldn't stay. Chasing signs on the interstate. All we do for now is sit and wait. Making life a spinning arcade. Curfews at midnight. We watch the sunrise. We watch
J'ai fait un coup de pli, je viens remettre ma base pour planifier. Donc, cette base en vrai elle est bien, mais c'est juste que c'est super dur de prélever le produit en faisant en très peu. Du coup, c'est un peu la guerre. Ensuite, je prends un pinceau biseauté, donc les merveilles de chez Chine, pour faire montrer l'eyeliner et je prends la couleur. et je prends la couleur mood, donc juste ici c'est un bleu foncé. Donc pour que ce soit plus facile, pour que montrer l'eyeliner soit bien droit, je vais prendre un bout de scotch. Je viens dégrader cette teinte avec la teinte soft spot, donc c'est ce bleu là. À l'écran il paraît super foncé, mais en fait c'est un bleu ciel. Toujours pour rajouter de la couleur, je vais prendre la teinte Ecstasy, donc qui est un rouge. Donc il reste à mettre les paillettes sur la paupière mobile. Pour dans un premier temps je vais mettre la Peppermint, c'est un bleu vert. Donc je vais le mettre vers le au milieu et je le tire vers mon trait d'eyeliner. The sun.
Et enfin, en contact pour illuminer, je mets la teinte Pink Me. Donc en fait, c'est des paillettes avec des reflets roses. Il est super beau ce film. Voilà, et la dernière étape, c'est d'appliquer mon mascara. Du coup, le mien, c'est un mascara de chez Yves Rocher. Il s'appelle Vertigo. Voilà pour le résultat. J'espère que la vidéo vous aura plu et on se retrouve mercredi prochain pour une nouvelle vidéo.